Alors, bonsoir et bienvenue à la séance d'information virtuelle des élèves, des futurs élèves de 7e année au pavillon de l'ESCRH, l'École secondaire catholique régionale de Hawkesbury. Mon nom est Joey Bédard, je suis le directeur de l'école. Bonsoir tout le monde. Mon nom est Sophie Alexis, direction adjointe ici au pavillon. Je suis heureuse d'être avec vous ce soir malgré les circonstances. Pour le bon fonctionnement de notre présentation, s'il vous plaît, vous assurez de garder votre micro en sourdine. Habituellement, nous aurions cette rencontre en présentiel et vous auriez la chance et la possibilité de visiter notre magnifique école. Toutefois, comme vous le savez, cette programmation est différente durant la pandémie afin de respecter les consignes du Bureau de santé. C'est quand même un plaisir pour nous de vous rencontrer virtuellement. Voici le déroulement de la rencontre. Nous vous parlerons de notre école, nous vous parlerons de l'horaire et du fonctionnement au pavillon, nous vous présenterons une vidéo, nous aurons aussi une période de questions à la fin. Avant de commencer, j'inviterai maintenant Rosalie, une élève de 8e année, à nous lire la prière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, avec cette nouvelle année qui vient de commencer, tu nous offres un nouveau départ ainsi qu'un nombre infini de chances de faire une différence et de changer le monde autour de nous. Le passé est derrière nous et nos regrets, nos erreurs et défaites y sont aussi. Nous te remercions pour toutes ces occasions qui nous ont permis d'apprendre et de grandir. Accompagne-nous dans toutes nos actions et nos interventions afin que nous puissions y rayonner de ton amour. Donne-nous la force et la motivation de poursuivre malgré les temps les plus difficiles. Aide-nous à être attentifs et attentives aux autres malgré la distance qui nous sépare. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci beaucoup, Rosalie. Excellent travail. Pourquoi choisir notre école? Premièrement, l'ESCRH, c'est l'excellence académique, ainsi que des programmes personnalisés et diversifiés. À l'école, les élèves sont bien préparés pour le secondaire et le postsecondaire grâce à notre rigueur académique. Nous avons des cours pour tous les goûts parce qu'à l'ESCRH, on offre plus de choix, donc chaque élève peut trouver sa place. Aussi, nous avons des partenariats avec plusieurs membres et entreprises de la communauté pour faire des stages, offrir des formations au point de vue au niveau collégial, universitaire et même dans certains métiers. Le SCR, c'est aussi un personnel et impliqué. Un personnel qui est à l'écoute des besoins des élèves, un personnel qui travaille quotidiennement à assurer la réussite et le bien-être de chacun, un personnel qui favorise l'engagement en salle de classe grâce à des activités variées et enrichissantes, qui cherche à appuyer les élèves tout en assurant un encadrement. C'est un personnel engagé et bienveillant qui n'hésite pas à donner son temps pour différentes activités sportives et artistiques, pour divers comités, pour donner de l'aide supplémentaire. Si un élève veut s'impliquer à l'ESCRH, il a une multitude d'occasions de le faire grâce à notre équipe dévouée. Il y a également une belle collaboration entre les membres du personnel de l'ESCRH à l'intérieur au pavillon, mais également entre le secondaire et le pavillon. Et puis tout ça parce que notre personnel a sincèrement à cœur le bien-être et la réussite de tous nos élèves. Le SCRH, c'est aussi la fierté et le sentiment d'appartenance. Nos élèves sont de fiers Kodiaques. Ils sont engagés et ils ont leur école tatouée à cœur. On dit souvent qu'on est bien chez nous. Et c'est vrai. On est une petite famille et tout le monde est important et a sa place. Les anciens reviennent souvent nous visiter, que ce soit pour faire du bénévolat, du tutorat ou pour nous rendre visite simplement parce qu'ils s'ennuient. Kodiak un jour, Kodiak toujours est un slogan qu'on entend souvent et qui est réel. Donc, un Kodiak demeure un Kodiak. Pour nos futurs Kodiaks, on a également une belle collaboration avec nos écoles nourricières. Donc, il y a plusieurs élèves que j'ai eu l'occasion de côtoyer ou de voir au courant des dernières années lorsqu'on faisait des activités à l'intérieur de vos écoles. Donc, entre autres, l'an passé, un groupe d'élèves du pavillon avait organisé des ateliers pour les élèves de la 4e à la 6e année. Donc, vos enfants étaient à ce moment-là en 5e année. On avait
fait, on s'était présenté à toutes les écoles nourricières et les élèves s'inscrivaient à un atelier de leur choix, donc ceux qui aimaient les sports, les arts, etc. Donc, il y avait la possibilité d'en faire trois. Ensuite, on avait notre comité PASTO qui a rencontré les élèves de la première à la de la maternelle, plutôt à la troisième année pour les visiter, leur apporter une petite surprise. On travaille beaucoup en collaboration avec des tâches authentiques, que ce soit une classe du pavillon ou même du secondaire qui va préparer une activité pour une classe de l'école élémentaire. Donc, évidemment, on vous parle d'avant la pandémie, mais malgré la pandémie, cette année, on a eu l'occasion quand même de travailler en partenariat avec les écoles nourricières. Donc, une idée, entre autres, la classe de VA 9e année avait préparé pour vous, hein, les élèves de 6e année, des activités donc à tous les jours pour les deux semaines, ben, presque deux semaines avant Noël. Donc, la classe recevait une capsule avec une vidéo inspirante, des réflexions, des énigmes, etc. Excellent. Le SCRH, c'est aussi une école à la fine pointe des technologies et des nouvelles tendances. On fait preuve d'innovation à notre école. Notre personnel dévoué assiste régulièrement à des formations afin de se perfectionner dans différents domaines, que ce soit des formations virtuelles ou en personne. L'école permet aux élèves de développer des compétences globales tout en apprenant autrement. Le SRH, c'est aussi des installations qui offrent plusieurs possibilités aux élèves. Donc, nous avons 4 gymnases à notre école. Un gymnase réservé pour le pavillon. 2 salles d'entraînement, une salle de cardio, une salle de musculation et CrossFit. Une classe Espace Maker, un codifab qu'on appelle à l'école. Où est-ce qu'on a un mur vert pour faire du montage vidéo, des imprimantes 3D, des caméras, un aménagement flexible pour travailler avec certaines classes. Un local de cuisine avec des stations individuelles pour créer et faire des recettes. Un local de musique avec des instruments. Local d'art dramatique. Local d'art visuel. Des ateliers, point de vue menuiserie. Mécanique, soudure, design, des laboratoires de sciences aussi. On vient de terminer une nouvelle classe avec un nouveau laboratoire de sciences. Un centre de ressources, un auditorium. Donc, essayez de visualiser avec moi les endroits. Donc, c'est difficile virtuellement, mais quand la pandémie se terminera, on vous invite à l'école de venir voir tous les locaux. Madame Lair. Si je vais parler un petit peu de l'enseignement, programme, etc., au pavillon. Alors, au niveau de l'horaire, on fonctionne sur un cycle de 5 jours. Et puis, les élèves ont 5 périodes de 60 minutes par jour. L'école commence à 8h15, se termine à 14h35. Donc, ce qui est différent de l'école élémentaire, c'est vraiment le cycle de 5 jours, puis les périodes de 60 minutes, plutôt que souvent, on voyait des périodes de 40 minutes. Donc, quand on a l'horaire régulier, donc les élèves ont 3 périodes le matin, 2 l'après-midi. Ensuite de ça, on a, c'est plutôt des pauses au lieu des récréations là, le matin. Par contre, on a une récréation à l'heure dîner où les élèves ont l'occasion de sortir à l'extérieur. Et puis, en temps normal, avant la pandémie, les élèves ont aussi l'occasion de s'impliquer dans différents comités ou jeux du midi ou autre dont je vais vous parler dans quelques minutes. Donc, les élèves ont une classe titulaire. Donc, cette année, en 7e année, on a 4 classes titulaires. Donc, 7A, 7B, 7C et 7D. Et puis, on fonctionne en diade. Donc, c'est-à-dire que les élèves des groupes 7A et 7B ont des professeurs en commun. Donc, 2 enseignants titulaires et l'enseignant qui donne éducation physique et art. Et puis, 7C et 7D, même chose, partagent les enseignants, enseignantes et puis l'enseignant d'éducation physique et art. Donc, en temps normal, donc avant la pandémie, on fonctionnait avec une rotation, donc on a de la rotation. On a pu maintenir celle-ci, mais je vais vous expliquer un petit peu comment ça a fonctionné cette année de façon générale. Donc, de façon générale, les élèves ont différents enseignants, enseignantes, et puis, donc c'est les élèves qui changent de classe pour se rendre à leur cours, et en même temps, ils ont leur casier avec tous leurs effets, là, leur cartable, etc., dans le casier. Évidemment, cette année, on a dû s'adapter, hein, comme tout le monde. Alors,
ce qu'on a fait cette année, c'est qu'on voulait permettre aux élèves quand même de vivre la rotation, avoir différents profs, enseignants. Donc, en même temps, ça permet d'avoir des enseignants qui se spécialisent dans une, tu sais, dans certaines des matières. Alors, ce qu'on a fait, ce sont les enseignantes. Je dis enseignantes parce que c'est les enseignantes qui changent de classe. On a un prof d'éducation physique, mais ensuite de ça, ce sont vraiment les enseignantes qui changent de classe. Les élèves doivent rester en classe, comme dans les écoles nourricières présentement. On doit respecter le protocole sanitaire. Mais on a quand même espoir que les choses vont se replacer puis qu'on pourra retourner à la vie plus normale. Donc, au niveau des casiers, en début d'année, on n'avait pas de casier. On gardait tous nos effets en salle de classe. Là, maintenant, on utilise le casier, mais seulement le matin, le midi pour aller à la récréation et le soir, en fin de journée plutôt. Donc, les élèves peuvent déposer leur manteau bottes seulement, puis on ne met pas les cadenas. Donc, tous les effets restent en salle de classe. Là, un petit peu, je pense, comme on doit faire dans les écoles élémentaires pour éviter le temps au casier, éviter les contacts indirects, les contacts avec les autres classes. Donc, en gros, c'est ce qui se passe là, dans la petite routine du pavillon. Mais en plus, donc oui, on a des cours réguliers, on a mathématiques, français, cours de sciences, cours d'anglais, etc. Mais en plus de ça, on a un après-midi semaine, donc deux périodes par cycle de 5 jours. Donc, un après-midi semaine, on a les concentrations. Les concentrations, dans le fond, ce que c'est une période où l'élève peut s'inscrire, choisir de faire partie de la concentration art ou sport. On a 3 blocs durant l'année. Donc, en temps normal, là, je vous explique comment ça fonctionne en temps normal, puis je vous explique un petit peu, je vais vous parler davantage de ce qu'on fait en temps normal, qu'est-ce que ça représente, la concentration. Je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on a fait cette année pour adapter, pour être capable de vivre quand même l'expérience. Mais de façon générale, les élèves choisissent de s'inscrire soit à la concentration art ou à la concentration sport au premier bloc. Donc, durant l'année, on le divise en 3 blocs. Donc, un élève qui aime les deux pourrait toucher aux 2 concentrations durant l'année. Alors, on peut alterner. Donc, si au premier bloc, tu as choisi de faire la concentration sport, ce qui se passe, c'est que ça va être une initiation à différentes activités, différents sports. Donc, je vais nommer quelques exemples de ce qui a été vécu l'an passé, évidemment. Donc, l'an passé, les élèves ont eu l'occasion de pratiquer la boxe, le kickboxing, du tennis, du golf, de l'escrime, donc l'escrime avec le bâton. Donc, les élèves avaient apprécié. C'est une expérience différente. C'est un sport qu'on n'aurait pas touché sans faire partie, sans avoir vécu cette expérience-là dans la concentration. Ils ont fait de la ringuette, du ballon-ballet, du hockey, de la natation. Il y a également eu donc d'autres sports ici et là, mais en gros, il y a aussi des sorties où est-ce que c'était une pleine journée. Donc, ils ont eu l'occasion d'aller en ski alpin, une sortie à la base de plein air. On est également allé voir une joute des 67 parce qu'on a un Kodiak. Bien, l'an passé, il était encore Kodiak, là, il a gradué. On avait un Kodiak qui faisait partie des 67, donc on est allé voir une joute. On a eu l'année précédente, l'an passé, on n'était pas ici à la fin de l'année, mais on avait fait également une sortie avec les bateaux dragons. Donc, bateaux dragons sur le canal Rideau, donc les longs bateaux où est-ce qu'on est plusieurs élèves, plusieurs personnes à l'intérieur. Donc, en gros, concentration sport, ça, c'est le genre d'activité qui va être vécue. Si on choisit la concentration sport, comme je disais, c'est une initiation. Donc, on ne peut pas choisir un sport, c'est ce sport-là qu'on fait seulement. On touche à des sports différents ici et là. Comme je viens de voir sur ma feuille, quilles, on est allé jouer au quilles aussi. Donc, c'est vraiment, on y va une fois, puis on a l'occasion de toucher à différentes activités. Tandis que si on choisit la concentration art, donc si on choisit la concentration art, ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir parmi différents choix. Là. Donc, entre autres, ce qui était offert l'an passé, il y a eu la rédaction d'une pièce de théâtre au premier bloc. Au deuxième bloc, c'était l'élaboration, c'était la confection des décors. Puis au dernier bloc, c'était jouer
dans la pièce de théâtre. Évidemment, on n'a pas eu l'occasion de la terminer. Donc, ça va être à suivre pour la suite. Donc, les élèves ont l'occasion de pouvaient choisir. Donc, si au premier bloc, moi, écrire, ça ne m'intéresse pas, c'est correct, je vais choisir peinture au lieu parce que j'aime la peinture. Donc, on a eu également un bloc où est-ce que les élèves à Chexman faisaient de la peinture. Donc, il y a eu plein de beaux projets que les élèves ont pu élaborer. Donc, il y a eu également de l'art culinaire, donc la cuisine. Et puis, on a eu robotique, des projets d'art visuel, scrapbooking. J'essaie de penser quel autre projet. Dans le passé, on a eu également maquillage de scène. Donc, faire des maquillages pour faire des vidéos par la suite, montage vidéo. Donc, ce qui se passe, donc on choisit un des projets pour environ 13 semaines, donc environ 3 mois. Et puis, évidemment, ce que je vous ai nommé, ce n'est pas tout ça qui est offert dans le bloc 1. Ça serait habituellement, c'est 4 choix. Donc, on choisit parmi 4 choix. Et puis, si on aime, comme je vous disais, si on aime les deux, on peut faire le bloc sport au premier. Ensuite, on dit au deuxième bloc, on choisit de faire art. C'est correct. On n'est pas obligé de faire une concentration toute l'année. Là, évidemment, je vous parle des concentrations de ce qui était avant. Cette année, comme vous le savez, avec la pandémie, on ne peut pas mélanger les cohortes, donc on ne peut pas avoir des élèves qui viennent de différentes classes. Mais on a voulu garder nos concentrations quand, en début d'année, on décidait qu'est-ce qu'on va faire. On a dit on va garder nos concentrations pour pouvoir permettre aux élèves quand même de toucher un petit peu à art, un petit peu à sport, à la concentration, un sport ou un projet d'art différent de ce qu'on fait en éducation physique ou pendant les cours d'art. Donc, les élèves ont eu l'occasion de toucher quand même. Donc, on a pu aller au tennis, donc avec la classe, OK? Donc, ce qu'on faisait, c'était une période avec ta classe titulaire de sport, une période d'art. Puis, on a essayé de faire des sports qui n'étaient pas nécessairement au programme en éducation physique. Donc, à chaque semaine, un sport différent. Donc, c'est quand même juste une fois. Puis, la même chose pour les projets d'art. Donc, des petits projets qu'on a changés, qu'on a variés à chaque semaine. Et puis, donc, c'est ce qu'on a fait au niveau des concentrations. Donc, je vous parlais en plus des cours réguliers, je vous parlais des concentrations, mais il y a également l'autre possibilité au niveau des chances de s'impliquer à l'école. Donc, oui, l'école, les cours, c'est important. Mon cours de maths, mon cours de français, mon cours de sciences, c'est important, mais on sait que la vie scolaire aussi est importante d'être capable de vivre autre chose, de vivre des activités. Donc, tantôt, je vous parlais de notre personnel qui est engagé, qui est impliqué. Donc, les élèves ont plein d'occasions de s'impliquer en temps normal, ce qu'on souhaite revenir, là, dans le fond, le plus tôt. Donc, les équipes sportives, on a, durant l'année, on a une équipe de soccer, flag football. Flag football, c'est des petits fanions, des petits drapeaux qu'on a sur nous qu'on doit enlever plutôt que de frapper ou de sauter sur la personne. Donc, il n'y a pas de contact. Ensuite de ça, ballon panier, volleyball, badminton. On a un club de ski en temps normal. Donc, une fois semaine, on va au Mont-Rigaud après l'école. Donc, pour ceux qui aiment le ski, qui ont leur équipement, on a l'équipe de cheerleaders, les élèves qui aiment la danse. On a de l'athlétisme, on a l'équipe de hockey. On a aussi la mini-coupe Kodiak, où est-ce que les élèves qui aiment jouer au hockey, mais qui ne sont pas nécessairement des joueurs de hockey dans des équipes, donc peuvent faire partie de ça et de s'amuser. Donc, on a là, dans le fond, pour tous les goûts, que ce soit des sports individuels, des sports d'équipe. Donc, vraiment, je pense que on a une belle variété. Puis là, je vous ai parlé de plein de sports, mais on a la même chose au niveau des comités. Donc, les élèves qui aiment s'impliquer, il y a plein d'occasions. Donc, hein, on a un groupe d'impro. Donc, impro pour faire partie, mais les midis, souvent, il y avait aussi les spectateurs. Donc, ceux qui aiment regarder l'impro, regarder des matchs d'impro, mais qui ne veulent pas participer, il y avait toujours l'occasion de faire ça à l'heure du dîner aussi. On a le club d'échecs, on a le parlement des élèves, où est-ce que les élèves bâtissaient des activités donc pour les élèves, donc avec et pour les élèves. Le comité pasto, donc souvent c'est un comité, on pense que le comité pasto va être juste de préparer des célébrations, mais c'est beaucoup plus de ça, beaucoup de projets communautaires, puis les élèves embarquent. Donc, dans le fond, il y a plein d'autres occasions de s'impliquer puis de rendre la vie à l'école intéressante, plaisante. Donc, en gros, je voulais vous parler de tout ça, puis je voulais vous dire que oui, c'est vrai que présentement,
je vous parle de choses qui, certaines choses qui n'ont pas eu lieu cette année, mais je pense que c'est important qu'on garde espoir, que les choses vont se replacer, puis qu'on va être capable de reprendre une vie plus normale, puis la vie à l'école où est-ce qu'on peut avoir l'occasion d'interagir avec nos élèves de façon différente, puis d'être capable de leur permettre de participer à toutes ces belles activités-là. Parce que c'est pas le vouloir hein, qui manque, c'est pas parce qu'on veut pas présentement, c'est juste parce qu'on peut pas. Donc, pour moi, au niveau du pavillon horaire fonctionnement, c'est pas mal ce que je voulais vous dire présentement. Donc, maintenant, nous allons enchaîner. Je vous ai parlé qu'on était bien chez nous. Alors, maintenant, nous allons enchaîner avec une vidéo qui démontre vraiment qu'on est bien chez nous. Bienvenue au pavillon intermédiaire de l'ESCRH. Bienvenue au pavillon intermédiaire de l'ESCRH. Cher futur Kodiak. Cher futur Kodiak. Cher futur Kodiak. Bienvenue chez nous. Votre futur chez vous. C'est sûr qu'étant finissant moi-même de l'ESCRH, je recommande énormément cette école-là pour le vécu. Pour le passé d'une école, en fait, c'est extrêmement important de rentrer dans une école qui a un historique et de sentir que ces murs-là ont été franchis. Le plancher du gym représente plusieurs compétitions sportives. Les salles de classe, il y a un aura. Je recommanderais énormément cette école-là parce que les profs qui m'ont enseigné ont laissé un leg automatique aux profs qui sont là maintenant, en fait. Et donc, il y a une rigueur. Choisir le SCRH, c'est aussi choisir une école où les enseignants planifient en fonction des besoins de l'élève. Le pavillon est un endroit où nous avons à cœur la réussite de tous les élèves, grâce ou avec la différenciation, l'encadrement et l'appui supplémentaire. On veut aussi les soutenir, les accompagner tout au long de leur apprentissage et les aider à développer leur plein potentiel. Il y a deux choses que j'aime à l'école. Un, les concentrations et deux, les divers sports offerts par l'école. Il y a deux types de concentration, concentration hors et concentration sport. J'ai aussi eu l'opportunité de faire la concentration hors l'année passée. On avait le choix en genre cuisine, musique, dessin, théâtre. On faisait partie de la concentration. Et moi, je recommanderais le SRH comme école secondaire à 100 000 à l'heure. Puis j'ai l'impression de l'avoir de tatouer sur le cœur, le SRH, parce qu'ils m'ont permis de vivre de ma passion. Puis si ça n'avait pas été de mon parcours académique, bien, c'est sûr que je ne serais pas là aujourd'hui. Je n'aurais pas eu cette facilité-là à poursuivre ma carrière. Ici, à l'ESCRH, l'apprenant est vraiment au cœur de ses apprentissages. L'enseignement des stratégies, le développement de la curiosité et l'engagement de l'élève sont des bases importantes pour le développement des connaissances, mais aussi pour le développement des compétences. Au pavillon, j'apprends de nouvelles choses. Le pavillon, c'est aussi avoir le bien-être des élèves à cœur. Tous les élèves à cœur. Parce que chaque élève est important et a sa place chez nous. Fierté et l'appartenance. Kodiak un jour, Kodiak toujours. Premièrement, j'ai confiance en le conseil, en le CSDCEO. Deuxièmement, je pense que les membres
qui travaillent à l'ECRH, comme je disais tout à l'heure, ont vraiment une passion pour leur domaine, s'investissent énormément dans les activités extracurriculaires, sont là pour leurs élèves. Le pavillon, c'est des enseignants et des éducatrices qui sont à l'écoute des élèves. C'est des activités qui sont planifiées selon les intérêts de nos élèves. Au pavillon, on développe notre leadership en travaillant à des projets enrichissants. On apprend en utilisant la technologie. Il y a aussi à l'ESRH des installations qui sont représentatives, c'est-à-dire si on a le goût de se pitcher dans un projet farfelu, il y a des gens qui vont nous accompagner là-dedans. Il y a de l'espace, il y a de la place pour créer. À l'ESRH, on est des leaders, on est des penseurs critiques, de bons communicateurs, mais aussi de bons citoyens numériques et dans la vraie vie. Le pavillon, c'est un endroit où on peut cultiver ses valeurs chrétiennes, puisque nous ne faisons pas juste parler des valeurs, nous les vivons avec des belles activités et célébrations qui sont à l'image de nos jeunes. Au pavillon de l'ESRH, c'est un endroit où on est fiers de nos racines franco-ontariennes. C'est aussi un endroit où on a à cœur quotidiennement notre héritage et notre belle langue. Je suis un fier Kodiak. Je recommande l'ESRH à tout le monde. Malgré la pandémie, malgré le protocole sanitaire, malgré tous les changements imposés cette année, on est bien chez nous. On est vraiment bien chez nous. On est bien chez nous. C'est vrai qu'on est bien chez nous. Ceci termine notre présentation. On vous invite aussi à suivre nos pages Facebook, Instagram et le site web d'école. Abonnez-vous pour voir les activités que nos élèves vivent au quotidien. Pour communiquer avec nous aussi, voici l'adresse courriel du pavillon. Il y a le numéro de téléphone et le poste. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, ça va nous faire plaisir de vous répondre. Maintenant, on ouvre la table, on ouvre la place pour les questions. J'ai vu certaines questions dans le chat tantôt. Ça passe vite avec le nombre de personnes qu'on est ici. Est-ce que c'est possible peut-être de prendre la parole si jamais...